Bonjour et bienvenue à notre leçon sur les tables de valeur et les graphiques qui sont en lien avec le module régularité et relations de la septième année. Donc, juste quelques rappels sur qu'est-ce qu'on a déjà vu. Une relation, c'est le lien entre comme son rang du terme ou son numéro du terme et la valeur. Donc, c'est exprimé dans une expression telle de x plus 3. Ça serait la valeur du terme qui est en lien avec son rang ou son numéro qui serait x. Ça, c'est notre variable. Donc, on peut démontrer cette expression-là en utilisant une table, cette relation-là ou expression, en utilisant une table de valeur. Et les tables de valeur peuvent être présentées de ces deux différentes façons que nous avons déjà vues. Rappelez-vous que le rang, c'est la variable et la valeur, c'est l'expression ou l'équation. Une relation peut aussi, puis ça c'est nouveau, ça peut aussi être démontré en utilisant un graphique. Allons voir c'est quoi un graphique. Donc un graphique, c'est un dessin qui est formé de points, un ensemble de points ou de lignes. Donc dans ce cas-ci, si on regarde le graphique linéaire ici, on voit qu'il y a pas une ligne qui rejoint les points, mais les points semblent être dans une ligne diagonale. Et ceci, ça représente les variations d'une grandeur mesurable. Et puis, pour être capable de savoir où vont ces points, on peut déterminer la valeur de chaque terme en faisant ce qu'on appelle l'évaluation. Donc, on va regarder un petit peu plus près aujourd'hui, c'est quoi ça? Mais très rapidement, c'est qu'on prend le rang du terme, donc n'importe quel chiffre de cette rangée-là. Donc, dans ce cas-ci, j'ai choisi 1 et je remplace ma variable ici, je remplace le x avec sa valeur, donc avec le rang qui est 1. Et ensuite, je fais les calculs mathématiques, je fais les opérations. Donc, le 3 fois 1 me donne 3. J'additionne 4 à ça pour avoir la valeur de ce terme-là, qui serait 7. Donc, ici, je ferais la même chose avec le 2. Je remplacerai la variable x avec son rang, avec 2. Donc, je ferais 3 fois 2, qui me donnerait 6. Et 6 plus 4 me donnerait 10. Donc, ça deviendrait ma valeur pour ce terme-là, pour le deuxième terme. Donc, comme j'ai dit, je vais faire ça un petit peu plus en détail. Si vous n'avez pas tout pogné ça aujourd'hui ou tout de suite, on va le faire plus tard dans cette leçon. Le graphique, vous le voici un petit peu plus clair, peut-être un petit peu plus grand. Allons voir les différentes parties du graphique. Donc, le graphique est quand même assez complexe, mais une fois qu'on le décompose dans ses différentes parties, on est capable de le voir plus facilement. Donc, on a l'axe horizontal, ça c'est allant de gauche à droite, si vous voulez, ou comme moi je pense toujours au coucher de soleil, parce que quand on voit le soleil se coucher, on le voit de gauche à droite ou on voit l'horizon de la Terre plus facilement. Donc ici, c'est comme ça que je m'en rappelle. Et ici, l'axe des horizontales, c'est l'axe des X, c'est celle qui représente le rang du terme. Une autre ligne qui est très importante, c'est celle de la verticale ou celle de l'axe des Y. Et puis, cet axe-là, c'est là où on identifie les valeurs du terme, pas nécessairement exactement les valeurs du terme, mais une échelle qui va représenter ces valeurs-là. L'ensemble des données, bien, c'est la partie que j'ai encerclée, c'est la partie qui démontre les différentes valeurs pour chaque rang. Donc, pour chaque terme, c'est ce rang-là qui serait exact pour le rang 1. Ça serait sa valeur, ça serait 5 en utilisant cette relation, évidemment. Ensuite, nous avons le titre du graphique. Le titre du graphique doit absolument, absolument, absolument nous décrire la relation. Donc, on aurait pu aussi mettre 2x plus 3 si il est relié à x. Donc, ça, c'est important de noter qu'est-ce que le graphique nous représente. Et finalement, juste un petit point important au sujet des axes. L'axe des X doit bien représenter la valeur le rang. Donc, si vous avez mis dans votre table de valeur rang 1, 2, 3, 4, ça serait important de démontrer ça dans votre graphique. Certains graphiques veulent faire un saut de 2 ou des bonds de 2 ou de 5. Assurez-vous que ça c'est égal à ce que votre table de valeur représente pour cette même relation. Là où c'est un petit peu plus complexe, c'est pour la valeur de l'échelle Y. L'échelle Y, on n'est pas capable de mettre 0 à, des fois, les nombres vont jusqu'à 50, 60. Donc, les graphiques font pas ça de façon électronique.
On peut le faire à la main, mais ça aussi, le papier va commencer à être pas mal long. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on met souvent des bons. Et les bons ici, et l'échelle est importante pour plusieurs raisons. C'est que si le point ici, le point, parce que ça fait partie du plan cartésien, et le plan cartésien a quatre côtés comme ça ici. Donc, ici, c'est le côté positif, positif. Ici, c'est le côté positif, négatif. En tout cas, ça c'est toute une autre leçon. On verra ça. Mais si ton point ici est zéro, ça veut dire que le point doit être zéro ici pour l'axe des Y ainsi que l'axe des X. Donc, on ne peut pas juste sauter de zéro à, disons, 5, parce que ça serait ça, notre premier prochain point. Oh, pardon, j'ai sauté de. Ça serait sauter de 5 et ensuite notre prochain point serait 7. On ne peut pas faire de 0 à 5, ensuite 7, parce que l'échelle ne serait pas équivalente ici. Donc, les bons doivent être équivalents. Donc, si votre point est 0, assurez-vous que si vous voulez faire des bons de 2, que vous commencez avec 2, 4, 6. Et c'est pas nécessaire que le point soit à un point comme où est-ce que les deux axes se rejoignent. Et ça peut être sur la ligne comme ça n'a pas besoin d'être exactement où que les coordonnées se rencontreraient parfaitement. Donc, je pense que c'est à peu près tout pour les parties du graphique. Allons essayons de pratiquer comment créer une table de valeurs et un graphique en utilisant le problème suivant. Donc, le problème, c'est il y a un prix d'entrée pour un centre d'amusement et ce coût-là est de 5 $. Et puis, chaque course ensuite de cartes qu'on va faire nous coûte 3 $ de plus. Donc, j'aimerais que vous déterminiez la relation. J'aimerais que vous créez une table de valeurs pour démontrer la relation et créer un graphique qui va démontrer cette même relation. Donc, allons-y voir qu'est-ce qui sont les points importants. Donc, ici, j'ai noté que c'était le prix d'entrée qui était 5 $. Donc, ce prix d'entrée-là, à ma connaissance, on va le payer juste une fois. Je pense que je vais juste rentrer une fois pour rentrer dans le centre d'amusement. Mais là où est-ce que ça va changer, c'est dépendant combien de courses de cartes que je peux faire. Puis, le nombre de courses de cartes va évidemment dépendre à combien de fois je gagne. Donc, si je gagne plus souvent, peut-être que ça va être moins, mais si j'ai de la difficulté, puis je veux absolument gagner, ça, c'est une des choses qui m'arrive assez souvent, vouloir gagner. Donc, je vais peut-être en faire plus. Donc, ça, c'est quelque chose qui va changer. Donc, c'est ce qu'on doit se poser comme question. Qu'est-ce qui peut varier dans le problème? Puis, dans mon cas, c'est si je gagne ou non. Mais c'est le nombre de courses de cartes qu'on va faire qui va changer. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui est ma variable. Le nombre de courses de cartes qu'une fera pendant son temps au parc d'amusement va coûter 3 $ chaque. Donc, on va le représenter avec l'expression 3K, donc 3 fois le nombre de courses de cartes. Et comme je dis, on rentre seulement une fois pour rentrer au parc d'amusement, donc un coût de 5 $ juste pour rentrer. Donc, on pourrait écrire la relation comme suivant. Donc, on paye 5 $ plus 3 $ par course de cartes. Pour faire notre table de valeur, et c'est ici où je vais vous montrer comment évaluer un petit peu plus, c'est que j'ai écrit, ben, si je faisais une course, ou si je faisais deux courses, trois courses, quatre courses, par 5 courses, si j'ai pas gagné, ben, là, je devrais peut-être juste abandonner ma carrière de course de cartes. Donc, je vais remplacer la variable, donc le K, avec chaque rang du terme, pour être capable de déterminer combien que ça me coûterait si je faisais une course. Combien est-ce que ça me coûterait si je faisais deux courses pour ma sortie? Donc, allons voir ça. Donc, si je fais 3 fois 1, j'ai 3. Et j'additionne ensuite mon 5. Rappelez-vous, on fait la multiplication avant. On doit mettre en pratique cadence ici. Donc, je répète, 3 fois 1 me donne 3 plus 5 va me donner 8. Ensuite, je vais faire la même chose pour si je fais deux courses. Donc, si je remplace ma variable k par 2, je ferai 3 fois 2 qui me donnerait 6. Et 6 plus 5 me donne 11. Même chose ici. Donc, si je fais 3 courses, je remplace mon K par 3. Et donc, je multiplie 3 fois 3 qui va me donner 9. Et 9 plus 5 va me donner 14. Même chose ici. Donc, commence à être habitué maintenant. K, on le remplace par le numéro 4, par le rang 4. Donc, j'ai fait 4 courses. 3 fois 4 me donne 12, plus 5 me donne 17. Et finalement, le numéro, la cinquième course, celle que si j'ai pas absolument gagné, j'abandonne à faire des courses de cartes. Ce serait 3 fois 5 qui me donnerait 15 et 15 plus 5 me donne 20. Donc, ça, c'est comment qu'on évalue l'expression et qu'on remplit notre table de valeurs. Allons voir le graphique maintenant. Donc, le graphique ici, je vais faire toute une autre leçon pour vous montrer comment créer un graphique.
Donc ici, ça serait juste l'explication ou le total de, excuse-moi, l'expression de la démonstration de la relation qu'on a fait avec notre table de valeur, dépendant de combien de courses de cartes qu'on fait et le coût total de notre sortie. Donc c'est comme ça que ça devrait avoir l'air. Donc le 1 ici, ça représente mon rang du terme. Et ensuite, le point 1 ici représente combien est-ce que ma sortie m'a coûté au total, qui est 8 $. Donc, puisque nous avons déjà pratiqué, je vous propose de faire une de ces trois tâches ici. Si vous allez sur le site web en cliquant sur ce lien ici, ils ont 11 questions pour vous sur des régularités, des graphiques et des tables de valeurs. Ici, je vous ai envoyé une leçon NetMath. Donc, si vous voulez juste cliquer sur ce lien ici pour aller ouvrir votre session, vous pouvez cliquer la leçon qui est sur les relations linéaires. Et finalement, si vous êtes plus proposant de faire papier-crayon, je vous envoie dans votre manuel Chenelière mathématiques aux pages 33 et 34 et vous demandez de répondre aux questions 3, 4, 6 et 7. Donc, ça, c'est votre tâche pour aujourd'hui. Et je veux juste vous rappeler qu'un graphique, c'est un dessin qui démontre un ensemble de données par rapport à une relation et qu'on évalue une expression quand on remplace la variable avec un nombre quelconque, un terme quelconque. Donc, quand vous avez fini votre tâche, soit la leçon Allo Prof, NetMaths ou les questions dans le manuel Chenevière, je vous demande bien de me répondre à cette question ici et vous pouvez la répondre de la façon que vous voulez. Vous pouvez le faire à haute voix en faisant un petit vidéo, ça peut juste être enregistrement de voix. Vous pouvez aussi me le faire directement sur cette feuille ici en utilisant votre marqueur ou votre crayon. Ou bien vous pouvez utiliser une feuille de papier et me le rendre de cette façon. Donc, merci d'être à l'écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. À bientôt.